Salut les amis, bah écoutez, aujourd'hui on va partir sur une nouvelle information. On va pas continuer sur le schéma numéro 4 aujourd'hui, on va juste essayer de mieux consolider ce qu'on a appris là ces quelques derniers jours. Donc finalement, les intervalles et la façon de construire les schémas, c'est sur ça qu'on va partir aujourd'hui. Dans la vidéo d'hier, je disais, on va partir sur l'explication, qu'en gros, il faudrait que je vous parle aujourd'hui du schéma 3 et 4, mais c'est pas ça que nous allons faire, je me suis trompé. En fait, non, on va commencer à comprendre comment est construit le schéma numéro 1. On va refaire un point là-dessus, en tout cas. La note numéro 1, c'est la tonique, ça on l'a déjà dit, la tierce mineure, elle est juste 3 cases plus loin, mais en fait, je soulignais un truc hier, c'est que la tierce mineure, elle a aussi 2 cases derrière, ici. Donc, finalement, on a juste deux schémas à apprendre pour pouvoir jouer tous les schémas de la gamme pentatonique mineure, voire pour pouvoir construire des nouveaux schémas. Je m'explique. Si je reprends mon schéma 1, celui que tout le monde connaît plutôt bien. Donc rappel, hein, très très rapide, 5-8, 5-7, 5-7, 5-7, 5-8, 5-8. On est sur la tonalité de La. Le La, c'est la cinquième case. Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La. On est ici. Et il y avait quoi comme information que je voulais vous donner? Et voilà, on fait tous nos exercices sur la tonalité de La. Bon, ok. On expliquait. Je rappelle très rapide, premier après j'attaque la suite, que le schéma numéro 1 est constitué d'une tonique sur la sixième corde, donc ça c'est facile. On a une tierce mineure qui est là, quarte, quinte, septième. Donc c'est nos cinq notes en fait. On a la tonique, tierce mineure, quarte juste, quinte juste, septième mineure. Et elles sont là. Tonique, tierce mineure, quarte juste, quinte juste, septième mineure et tonique de nouveau. Ok? Donc à partir d'ici, on peut refaire le même schéma, donc la tierce mineure elle est 3 cases plus loin. Alors si j'ai ma tonique ici, ma tierce mineure est 3 cases plus loin. Si j'ai ma quarte juste qui est en dessous, ma quarte juste elle est en dessous ici aussi à partir de cette tonique là. Donc je prends n'importe quelle la, ça devient une tonique, et en fait je prends n'importe quel do, ça devient une tierce mineure, n'importe quel ré, ça devient une quarte juste, n'importe quel mi, ça devient une quinte juste, parce que la quinte juste c'est pareil. Si ma tonique est ici, ma quinte juste elle est là, en case 7, 2 cases plus loin. La corde du dessous, mais 2 cases plus loin. Tonique et quinte juste. Donc c'est pareil ici. Si ça c'est ma tonique, alors ça c'est ma quinte juste. Et c'est intéressant de le comprendre ce truc. Et en fait, ça, vous avez déjà une grosse partie de votre manche de guitare avec ça. Si ça c'est ma tonique parce que c'est un La, je prends n'importe quel La. Je retrouve la même chose. Le La. Le La. Le La. Je refais toujours le même schéma et ça marche en fait. Il y a une subtilité, c'est quand vous passez, vous le savez probablement si vous en êtes à ce stade-là dans votre apprentissage, la corde de Sol et la corde de Si ont un petit décalage dans le réglage, enfin dire, de la guitare. Quand on passe par ces cordes-là, il y a un petit décalage d'une case par rapport au schéma qu'on peut avoir sur les autres cordes. Donc au lieu d'avoir ça, 5, 8, 5, 7, 5, 7, si jamais on passait, alors je vais le faire toujours en case 5, 8, 5, 7, 5, 7, si je faisais la même chose, mais à partir d'ici, au lieu d'avoir 5, 8, 5, 7, 5, 7, il faudrait que je décale tout d'une case à partir de la corde de Si. Donc c'est pour ça que si j'ai 5, 8, 5, 7, 5, 7, normalement ici je devrais avoir, si je faisais les choses de façon symétrique sans me poser de questions, je devrais avoir 7, 10, 7, 9, 7, 9. Et vous l'entendez bien que ça sonne faux. Ça ne marche pas. Parce qu'il va falloir que je décale tout d'une case. C'est comme ça qu'on arrive sur ce petit bout de schéma numéro 2. D'accord? C'est comme ça qu'on arrive sur ce bout de schéma numéro 2 et c'est pour ça qu'on a des schémas qui sont un peu bizarres parfois parce qu'il y a ce décalage entre sol et si. Bon, et l'autre côté, c'est intéressant parce que ça, c'est justement mon petit bout de schéma de gamme pentatonique mineure de La, mais je vais le prendre dans l'autre sens. Si je fais ça, au lieu de prendre ma tierce mineure, 3 cases plus grave, je le prends en arrière, donc la tierce mineure, je la prends ici. Ici, ça me fait un autre schéma qui fait ça. Donc là, j'ai 5, 3, 5, 2, 5, 2. Donc on a un bout du schéma 5 pour ceux qui ont déjà travaillé le schéma 5. Sauf que ça, en fait, ben, on le retrouve ici.
sauf que les cases sont un peu plus serrées, qu'il y a un léger décalage avec la corde sol si, donc c'est plus confortable sous les doigts. Mais en fait, mon la, il est là. Ma tierce mineure, elle est donc deux cases derrière, comme ici. Vous voyez, j'ai mon la, j'ai mon do, ma tierce mineure. Bah là, j'ai mon la et ma tierce mineure. D'accord? Et au lieu d'avoir. Donc là, c'est facile, tierce mineure, quarte. Donc, tierce mineure, quarte. Et au lieu d'avoir tierce mineure, tonique, tierce mineure, quarte, quinte, qui est ici, la note de mi qui est là, bah, je vais avoir un truc qui tombe sous les doigts parce que ça rapproche en fait comme on passe par sol et si. Vous voyez? Donc ça, c'est le même schéma que ça, sauf que c'est décalé d'une case. C'est comme si je faisais ça en fait. Mais comme là, du coup, il n'y a pas ce décalage de cordes, il faudrait décaler ça. D'accord, vous le voyez ce truc? Et après, ça continue pareil. Donc si j'ai ça, après trois cases plus loin ici, j'ai ma septième mineure, bah là c'est pareil. Trois cases plus loin, j'ai ma septième mineure et après, juste en dessous, tonique. Donc c'est pour ça que finalement, ça, ce bout de schéma-là, et ce bout de schéma-là, quand on les comprend bien, bah, ils nous permettent de jouer nos cinq schémas de la gamme pentatonique mineure. Regardez, je vous fais une démonstration. Si je pars du schéma numéro 3, on l'avait travaillé hier, je vous disais qu'en gros, il fait ça, mais que nous, on aime bien partir de la fameuse tonique. Ok, donc qui est ici. Et bah si je prends mon schéma numéro 3, je retrouve ce même décalage que le schéma numéro 5. Mais si je prends mon schéma numéro 4, avec la tierce mineure qui va trois cases vers les aigus, bah je retrouve la même position que mon schéma numéro 1. Schéma numéro 5, schéma numéro 3, schéma numéro 1, schéma numéro 4. Et je peux dérouler, en fait, c'est pour ça que je vous dis, on peut à chaque fois se contenter de deux bouts de schéma qui sont dupliqués partout sur le manche. Le schéma numéro 1, il commence, on va dire, avec la version 1, celle qui a la tierce mineure qui part dans les aigus. Puis après, sur la deuxième partie, quand j'arrive à la nouvelle tonique du schéma 1, j'ai la deuxième version. Donc la configuration numéro 2 de ma gamme pentatonique mineure, c'est qu'il y a la tierce mineure qui va dans les graves. D'accord? Si je prends mon schéma 5, je commence tout de suite avec la deuxième configuration qui a la tierce mineure dans les graves. Et après ici, je retrouve la configuration numéro 1, donc celle-ci, celle du schéma 1, qui est ici. Sauf qu'au lieu d'avoir ça, comme il y a corde de sol si, on décale ça d'une case. Enfin, je sais pas si vous réalisez quand même le côté magique du truc, quoi. C'est tellement pratique qu'on comprend ça. Quand on comprend qu'en fait, la gamme pentatonique mineure, c'est juste deux schémas, deux bouts de schéma qu'il suffit d'empiler, on va dire, à droite à gauche pour constituer notre schéma 1, 2, 3, 4, 5, ça y est, on a compris quand même énormément de choses. Quand en plus on a compris qu'on peut tordre nos quartes et nos quintes pour sonner blues, qu'on peut faire des bends sur la, la, la non, qu'on peut tordre notre tierce et notre quarte pour faire des blue notes et qu'on peut, enfin, pour bluesifier notre son, qu'on peut faire des bends de un ton sur la tierce et sur la quarte, c'est génial. En fait, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent à nous. Et à chaque fois, c'est la même chose. Je veux jouer mon schéma numéro 3. Mais pareil ici. Ça marche super bien et c'est la même chose que je fais des deux côtés, quoi. Schéma 5, schéma 3. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Digérez ça, essayez d'improviser un peu avec ça, de vous entraîner. Ceux qui ont des lacunes en termes de connaissances, vous avez la formation gratuite, le lien dans la description. Gratuite, description très facile. Vous avez plein de connaissances à repiquer là-dedans. Je fais de la. Ça s'appelle donc comprendre les blue notes. Et voilà, c'est de l'harmonie. C'est de l'harmonie pour grands débutants, mais ça vous permet d'acquérir de la connaissance. Parce que même quand vous jouez sans trop vous poser de questions, le fait d'avoir acquis quelques éléments de connaissances, ça va permettre de faire grandir votre jeu. Vous allez toujours tilter un tout petit peu. Ah bah tiens, ça c'est ça, en fait, machin. J'ai compris pourquoi ceci, pourquoi cela. Donc, elle est courte, la formation. Elle fait 20 minutes, je crois. Hein. Moins de 30 minutes, en tout cas, ça c'est sûr. Et j'aborde pas mal de choses. Donc, allez voir, ça peut être très, très, très instructif pour vous de vous pencher dessus. Voilà. Et pour ma part, je vous dis à demain pour la suite des aventures. Ciao!
Ciao, ciao tout le monde.